salon va tomber, mon capitaine Sat. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Au bon mot, la mité, mon abino, on dit qu'à ma belle boîte, ma soeur, mon abino, il est mis à main. Toutes les femmes qui vivent dans le sexe, qui ont des rapports sexuels, alors qu'elles ne sont pas mariées, elles doivent se repentir. Moi, si nous sommes au Yahébi, qui est à Saint-Sal, quand nous sommes au bal, pour être au bal, la Yahébi, c'est de la Yahébi à tout Béla. Tous les hommes qui ont des rapports sexuels pendant le mariage et qui meurent, alors qu'ils ne sont pas mariés, ils doivent se repentir. Bal, nous sommes au Yahébi, voilà moi, c'était, mais au Bivagana, ma cam, et c'est de la Yahébi à tout Béla. La repentance est la clé pour accéder à la guérison. Et que bon moana et zali fomola o le bongo soit le bico. Sans la repentance, il n'y a rien. Ce qui bon moana l'été, le bongo y a l'été. Vous ne pouvez rien bénéficier, rien recevoir du Seigneur s'il n'y a pas la repentance. Le bongo soit à le bongo tient et pas encore ce qui bon moana y a l'été. La repentance ne concerne pas seulement les païens, les inconvertis. Et bon moana l'été, le bongo n'a pas qu'à noter. Même ceux qui se disent chrétiens. Attends, bon moana l'été, va pas Christ. Parce que souvent, des chrétiens, il y a des chrétiens qui ont une vie secrète, une vie cachée. Et alors, Christ nous souvient. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes simplement des frères comme vous. Et nous vous disons que s'il n'y a pas la repentance sincère, si vous n'abandonnez pas vos vies, vos péchés, Dieu ne peut rien pour vous. Je parlais avec une femme tout à l'heure qui veut me voir. Qui me disait qu'elle allait prendre son mari et voilà un gourou qui est venu de France, un pasteur congolais d'origine, va lui demander 1 million pour que son mari se réconcilie avec elle. Et elle m'a dit juste à présent, mon mari. Toujours pas revenu. L'offrande du prophète. Vous voyez mes amis comment on vous arnaque. Vous voyez comment on vous trompe. Tout ça parce que des chrétiens ne veulent pas aller directement vers Dieu, ils préfèrent les hommes. Comment voulez-vous que tu agisses? Vous avez des Bibles, mais vous êtes alcoolique. Comment voulez-vous que tu agisses? C'est impossible. Vous avez des Bibles, mais vous allez en même temps voir des gangas. Comment voulez-vous que tu agisses? C'est pour cela que depuis, là, encore aujourd'hui, c'est encore ça. On priait, mais on sentait que... On chante, les gens sont assis. Qu'est-ce qui se passe? Le péché. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord la conviction du péché. Tu dois être convaincu que tu as mal agi. Mais si tu n'es pas convaincu que tu as mal agi, tu ne peux pas te repentir. Beaucoup de gens aiment se justifier. Non, je n'ai rien fait. Non, c'est pas moi. Ils ne veulent plus laisser Dieu les convaincre de leur péché. Vous voyez ce jeune homme, heureusement qu'il s'est repenti. Il croit en Dieu. Sa sœur est morte. Il prend ses ongles, ses cheveux. Depuis un mois, il se balade avec. Parce qu'un magicien, un sorcier lui a demandé de lui rapporter ses cheveux. Sans se rendre compte, il se balade avec la mort. Et a évité que. Alors comment voulez-vous que tu agisses? C'est le feu étranger. C'est le péché. Donc
Donc il faut être convaincu que ce que tu fais là est mal. Convoiter est à mal. Mentir est à mal. Mais tu ne peux pas être convaincu si on ne t'a pas prêché la vérité. C'est pour cela qu'il dit que la foi et la parole de Dieu. Et comme dans nos églises aujourd'hui, on ne parle que de l'argent. L'argent. Il faut d'abord que les pasteurs eux-mêmes commencent par se repentir. Que leurs femmes se repentent. Ces pasteurs qui sont orgueilleux comme pas possible. Ils sont devenus plus orgueilleux que l'orgueil même. Alléluia. Amen. Quand il rentre à tout le monde, ça, c'est que ça, c'est un bichon. Et il faut qu'il y ait une repentance ici à Brazzaville. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a eu beaucoup de troubles ici. Depuis des années. Et les gens, beaucoup de gens gardent encore des rancœurs. Quartier de nordiste, quartier de sudiste. Tout ça, il faut qu'il y ait une repentance sincère. Vous êtes tous des Congolais. Vous êtes tous des Bantous. Mais frère, c'est quoi cette affaire? Qui est ton voisin, c'est de la sorcellerie tout ça. Alléluia. Amen. Le pasteur est Munda, tous les mangas sont là-bas. Et ceux qui vont battre les pasteurs dans les Moutalikolo, bah l'église n'est qu'à Moutalikolo. Les Noirs ont des problèmes aussi. Hein. Ah, bah il ne va pas m'accabler. On se fait la guerre entre Congolais, Togolais, Ibani, Béninois. Oh, il a des. Il faut une repentance. Biso. Oh, bah, kaka biso na biso. C'est quel bon mania. Alléluia. Amen. Le tribalisme est un péché. Ton téléphone sonne. Et téléphone là. Tu dis à tes enfants, dis maman n'est pas là. Tu es un menteur, menteuse. Tu fais ça souvent. Les gens mentent. Parfois quand je vois des chrétiens, je les entends mentir. Mais je me dis, mais pourquoi vous mentez facilement comme ça? Mais dites simplement la vérité. J'étais avec un frère. Il prêche sa parole. Il me dit, donne-moi ton portable, je vais appeler quelqu'un, tu vas voir comment la personne parle de toi. Il appelle la personne. Il met le haut-parleur. Quand mon téléphone sonne masqué, le numéro ne sonne pas. On lui demande, l'autre lui demande, mais pourquoi ton numéro est masqué? Et ce frère lui répond, oh, je fais une mauvaise manipulation avec mon portable. Voilà pourquoi le numéro est sorti comme ça. Donc, on est que le numéro est limité. Oui, l'Africain ment tout le temps. On est que Moïse a pourquoi ne pas dire on m'a prêté un téléphone. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans ça? Pourquoi ne pas dire non, la personne est occupée. Mais pourquoi mentir? C'est dans le sang africain. C'est dans le sang. La Bible dit. Quiconque aime le mensonge n'entrera pas dans le royaume des cieux. Surveillez vos langues. Tu dis à quelqu'un, j'arrive dans 10 minutes. Tu sais très bien tu vas arriver dans 1 heure, dans 2 heures. Tu es un menteur. Tu es le monde ici, il y a beaucoup de rempli de menteurs ici. Qui veut se repentir du mensonge? Alléluia. Amen. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit le diable est le menteur. Il est le père du mensonge. Donc quand tu mentes, là, quand tu mens tout le temps pour te sauver, c'est le mensonge. On ment pour se sauver. On ment pour ne pas dire les problèmes. Et ensuite, tu penses que tu vas t'exaucer.
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, aussi bien Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Vous habituez vos enfants à mentir, dire je ne suis pas là. Vous allez commencer à demander à l'okutabe. Dis, je ne suis pas là. Un enfant qui te voit chanter en langue, prier en langue, et qui entend que maman est en train de faire ce mensonge, comment veux-tu qu'il se convertisse? Vous êtes des sorciers! Dieu est le mensonge. Les gens arrivent en Europe, ils veulent mentir, je veux de la politique, je veux des partis politiques, pour avoir des papiers, mensonge. Je vous dis, frère, laissez-moi vous dire, Dieu me dit ici, il y a tellement de menteurs que très peu vont. Il y en a quand le Seigneur va revenir, ils vont te dire, mais attends, j'ai financé, je fais ci, je fais ça. Dieu me dit, mais t'as toujours menti. Amen. Mais Dieu me montre aussi à beaucoup de gens, tout ça, mensonge. Les gens ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. C'est devenu naturel. C'est devenu une seconde nature. Donc, comment mon montre n'a plus sa vie? On t'appelle, tu es où? Tu sais que tu n'es pas à cet endroit-là. Tu dis non, je suis à tel endroit alors que tu vas arriver dans 10 minutes. Mais tu es un menteur. Babé, tu es un wapi. 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 Tu es. Frère, imagine tu meurs d'une crise cardiaque dans ce mensonge-là. Ça, ça vit. Tu pars où? Oui, au coup, à Kanokasawana. Le salut là. Je vois que l'autre. Les gens vont dire, ils vont avoir l'assurance, moi je vais au ciel. Et quand ils vont mourir comme ça, ils vont voir les démons venir les chercher. Mensonge. Tu es avec quelqu'un. Il n'est pas ta soeur. Tu dis à tout le monde, c'est ma soeur. Et quand on insiste, on dit non, en fait, c'est pas ma soeur, en fait, c'est une amie. Mais tu es une menteuse, un menteur. Je vois quelqu'un, une femme. C'est qui cette femme-là? Oh, c'est ma mère. Quand tu vérifies, en fait, c'est quelqu'un avec qui on s'est habitué, avec qui on est ensemble depuis des années. Je la considère comme ma mère. Non, attends. C'est pour cela qu'il a dit, repentez-vous. Il faut une prise de conscience. Non, là, je vais agir. Et dans la repentance, après la prise de conscience, c'est-à-dire la confession de péché, on doit confesser. La Bible est claire là-dessus. Confessez vos péchés les uns aux autres. Oh non, mais les gens vont parler de mes affaires, même s'ils en parlent. Tu as avorté, tu as confessé où? Tu as tué. Tes enfants t'attendent. Tu as fait un avortement, deux avortements, trois avortements. On t'a jamais confessé ça publiquement. Tu as des problèmes avec tes enfants-là. Tu as des problèmes avec tes enfants-là.
Qui veut confesser les avortements? Venez devant ici. Après la confession, il y a l'abandon. Même si tu es un homme, tu peux venir si tu as poussé ta copine à avorter. Tu as tué un pasteur. Tu as fait tuer un apôtre. Et un apôtre qui aurait pu gagner 10 000 âmes, tu les as toutes tuées. Il faut une abondance à Brazzaville. Dieu est en colère. Nous avons à Siriki. La repentance. Bonwana. La conviction du péché. La conviction du, et deuxièmement la confession. Troisièmement la conversion. L'abandon. L'abandon. Et on est convaincu. On va confesser. On va abandonner. Proverbe 28 nous dit. Et Proverbe 28 nous dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pardon. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. On ne veut pas de la prospérité. Et on vous dit qu'il faut donner l'argent. Mais ma Bible le dit. Si en confessant son péché, on peut prospérer avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la tine. On est convaincu. On est confesse. Et on trouve là. On délaisse. Et ensuite on s'est converti. Et la conversion. Et le changement de chemin. Le changement de route. Si tu allais voir la femme d'autrui, tu dois changer de chemin. Et si tu volais, tu arrêtes. Et tu changes de mentalité. C'est ta loque. Dieu va te bénir. C'est alors que Dieu va te guérir. Sans cela, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de délivrance, pardon. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien. Lève vos mains, on va prier pour vous. Seigneur, ces hommes et ces femmes se sont repentis. Et je prie pour que ta puissance vienne les rendre libres. Au nom de Yeshua. Je commande à la puissance des ténèbres, à la puissance du péché, de lâcher vos cœurs, de lâcher vos vies, de lâcher toute votre vie, votre avenir, vos projets. Je commande à la puissance des ténèbres maintenant de lâcher vos vies, les esprits, les démons qui vous empêchaient d'aller loin à cause de ce manque de confession. Je commande à ces esprits de remonter maintenant, de sortir, de quitter vos familles, de quitter vos vies. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, le Sauveur, Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Tu vas lâcher ma soeur, tu vas lâcher ma soeur. Oh Jesus. Oh, alléluia, lâche-la. Voilà, allez, tu sors. Voilà, allez, sors. On va vous lâcher aujourd'hui, là, ça va sortir de vos vies, là, on a dit au choix, et tu sors. Allez, tu sors, lâche-la, voilà. Sors de là, on a dit au choix. Allez, tu sors, la mort, allez, tu sors, lâche-la. Tu remontes comme ça, voilà. Merci pour votre humilité. Repentez-vous et convertissez-vous. Il y a des gens qui se repentent.
ils pleurent et ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se convertir. On confesse, on se repent. Et ensuite, on se détourne du chemin dans lequel on s'est engagé. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Qui sent dans son cœur qu'il doit confesser? Confesser. Qui veut se dégager? La confession va permettre aux démons de s'en aller. Naturellement. C'est des occasions pareilles que Dieu nous donne Je veux dire quoi, ma soeur? On va lui donner un micro. La paix du Christ. Je veux juste se confesser parce que, bon, si je dis que c'est à cause de la vie ou à cause de la difficulté, Dieu ne voit pas la difficulté. Je sombre avec deux hommes. Un est à Kinshasa et l'autre, c'est un blond, il est en Allemagne. Et quand eux, ils viennent, si un arrive, il m'appelle, je vais à 20h. Le blond vient souvent à 20h. Et quand l'autre de Kinshasa arrive, si je reviens à Paza, je suis avec lui. Vraiment, ça me fait beaucoup mal au cœur parce que je sers Dieu, mais je ne peux pas m'en sortir. Et quand je demande pardon, je pleure, mais je reprends encore les mêmes choses. Vraiment, je veux que tu le m'aides. Je veux vraiment laisser. On acclame le Seigneur pour ça. Merci. Avec tout ça, Dieu ne peut pas nous exaucer. Elle pratique la polyandrie. Et rien qu'à cause de ça, sa simple présence ici empêche l'onction de Dieu. Hier, vous avez vu, elle a été délivrée de quel esprit? Mamie? Moi je ne la connais pas. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Comment faire pour changer? Et tu prends ton numéro de téléphone, tu le changes. Et plus te contacter. Change de mail si tu as un mail. Tu as une adresse email? Tu changes tout ça. Et tu pries, tu vas dans une assemblée? Ici. Et tes frères qui sont avec. Ok. Tu chantes là-bas, tu fais quoi? Tu prêches, tu veux dire que tu la connais? Tu veux plus. Ah ben, il faut. Tu finis avec tout ça. Amen. Tu es baptisé? Voilà. Donc, voilà. C'est réglé. Merci pour ton courage. Le nettoyage, Dieu continue. Voilà. Vous voyez, après on se sent libre. Et si les démons viennent, Dieu dira, elle a tout confessé. Et ceux qui disent, mais vous voyez, ça a tout bien. Voilà. Il y a une femme qui est sortie avec son cousin qui est ici. C'est un fardeau. Ah ouais, Dieu aime la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra
Seigneur. Qui l'a déjà lu? Et qui veut voir le Seigneur? Et pour le voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sanctifier. Donc l'alcool, tu ne vas plus le voir. Au nom de Jésus. Qui se rend compte que nos églises sont vraiment polluées? Est-ce qu'on parle encore de la repentance dans les assemblées? Non? C'est quoi? Oh! Le mariage. Oh. Les visas. Ah bon? La bénédiction. Hein? Des voyages, tout ça. Le succès. Oh! Donc ça veut dire que si on veut voyager, il faut aller dans une église. Donc l'église est donc devenue des agents de voyage. Oh! Il y en a qui ont des onctions spéciales pour ça. Voilà. De voyage. Ah. Mais pour ceux qui n'ont pas de visa, comme les milliardaires, là, donc cet évangile ne les concernait pas. Donc on a créé un évangile pour les pauvres. Ce qu'on appelle l'évangile social. Voilà. Donc les églises sont devenues des agences matrimoniales, agences de voyage, pour voyage, mariage.com. Les pasteurs sont devenus des conseillers matrimoniaux, des spécialistes en billets de banque. Qui va payer le billet du pasteur? Qui va payer le billet du pasteur pour voyager? Donc c'est vous les payeurs. Dis à ton voisin, je ne serai plus tendu. Dis à ton voisin, tout ça c'est Babylone. Si un pasteur veut manger, il n'a qu'à travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dis à ton voisin, les pasteurs n'ont pas besoin de savoir combien tu gagnes. Dis-lui, si tu veux ton nommé diacre parce que tu gagnes bien, sors de là. Il nomme les polygames anciens. Et on le fait soir devant lui, on sait que celui-là, il est polygame. Mais comme il donne. Tiens, ton voisin, Babylone. Laodicée. Sors de là. Dis-lui, tout ça, c'est la repentance. Dis-lui, tu n'as plus besoin d'apporter une offrande d'action de grâce. Yo, va aider les pauvres. Les orphelins. Les SDF. C'est ça l'évangile. Alléluia. Ils savent qu'on est là actuellement. Là. Il y en a, ils sont empêchés de venir, ils sont là en pêche. Ah, bah, mais la repentance va arriver. Au nom de Jésus. On ne veut pas. Le feu est allumé. Monte et périsse. Au nom de Jésus. Tu veux créer une entreprise, il faut aller voir un pasteur, c'est écrit où? Il y a des gens qui ont leur magasin, ils vont dans les églises, ils deviennent plus pauvres qu'avant. On va venir prier pour le magasin, faire une onction d'huile. Ah bon? Il dit ça.
amener tout ce que vous vendez. Toi, tu fais quel commerce? Oh, je vends les poissons salés, oh, moi je vends le manioc, oh, moi je vends ceci. Amenez tout. Quand vous allez amener, on va bénir ça et puis vous allez voir. Alléluia. Amen. Qui veut être libre? Nana Ligi, assis collamment. Depuis toutes ces années où tu payes ta dîme, est-ce que tu es béni? Mouta oyo futa kanda mona zéomi. Oso pa mama. Toi, tu es toujours en train de prendre le taxi. Le pasteur qui était à pied, il commence à rouler en 4x4. Yo, on doit avec un taxi. Il y a banana makolo, les là pour nous tout cas. La malade, comment c'est quand même. Ensuite, il vient te dire, j'ai offert un 4x4 à l'anniversaire pour l'anniversaire de ma femme. Et toi, à ton anniversaire, quand est-ce que le pasteur va t'offrir un cadeau? Yo, on peut s'engager, que yaga on peut s'amour tout cas. Il y a moi si n'agata, on peut faire la fête en beau temps manaye. Mais il y a yo, on peut s'amour colonie. Oh, c'est l'anniversaire de papa. Et toi, quand est-ce que papa? Il y a un papa. Mais, quand vous avez un papa, papa, vous avez un papa. Tiens, ton voisin, arnaqueur! Ah, mon yibi. Et la maison du pasteur. On fout que la langue d'un pasteur. Et quand est-ce que le pasteur va payer ton loyer? Et mon colonie, pasteur, pour foutre la langue. Alléluia! Amen. La Bible dit quoi? Priez les uns pour les autres. Bénissez pour les uns les autres. Mais toi, tu ne veux que bénir le pasteur. Lui, quand est-ce qu'il va bénir? Voilà, Bible le dit que, tout le monde est là, bandeko na bandeko, tout sungana, bandeko na bandeko. Bon, il y a un mot de moko, mais il y a un mot de moko. Oui, oui. Oui. Va changer même tactique en gros. Bon, on va sungana. Au moins, on va voir un pasteur. Les chrétiens devaient des serviteurs, de femmes, de bishops, tout ça. Tondre la pelouse pour certains, ouvrir la porte de la voiture, n'est-ce pas? Parce que l'homme de Dieu n'est pas assez fort pour ouvrir sa porte. Hein? Il faut lui ouvrir la porte et sa Bible est tellement lourde qu'il faut que quelqu'un ait le muscle pour pouvoir la porter. Tiens, ton voisin, chancellerie! Magie-moi! Ta femme, tes enfants, vous allez à 45 là-bas. Vous promenez dans la nature. Visitez la forêt. La savane. Les animaux. Et faire pique-niquer là-bas. Donc, vous avez un peu de temps là. C'est pas un péché. Tu prends ton téléphone, tu l'éteins. On dit téléphone hein, au Kami. Si le bishop t'appelle, je dis je suis libre. Un sorti, bishop avec le lit à la somme. Alléluia!
Et si on fait l'appel, si on fait l'appel à l'assemblée, Marie-Louise absente, abonnée au robot dans la présence de Dieu. Ce qui va tout lui relever, c'est arrêter. Il y a beaucoup de gens qui nous sommes fatigués. Même ceux qui se disent, oui, nous sommes touchés par la réforme, par l'évangile, du retour à la parole. Quand on, ils veulent être des... Oh non, moi je suis responsable. Moi je suis recommandé. Je suis reconnu, établi, sorcier. Oh, moi je suis en connexion directe avec le frère Chor. Le frère Chor est ton Dieu. Oh, bien ali na yoka na kamala madame la frère Chor. Frère Chor, moi même je suis occupé. Ngai pe na na wa. Le téléphone est éteint. Et on ben ngai na kandi de. Je suis avec ma femme, mes enfants, nous sommes dans la prière où nous sommes n'est-ce pas au parc Astérix en train de faire mes amis de... Il faut aussi mes amis sortir. Alors, tu tombes sous sous na ko sala masala mas na gato do bonde là donc toi na vie soit libre. On fait, on dans les manèges là, et les enfants, tout le monde crie, ah, les enfants, papa, oh, mais c'est ça là, oh Seigneur, sauve-nous, oh, on le chien. Sorcier, magicien, vous ne quittez jamais Brazzaville alors que Dieu vous a donné un beau pays, avec un beau paysage. Vous ne sortez jamais de Brazzaville, vous êtes toujours en train de tourner en rond. Et nous avons appris le mot de Toko, ouais, maman, il sauve, madame, maman, ça, mais Ali, mais on lui copie, Mathieu, on lui dit, pourquoi? Parce que vos bishops ont dit ne bougez pas. Et bon, pardon, lundi, prière d'intercession. Mardi, chorale. Mercredi, réunion des papas. Jeudi, réunion des mamans. Vendredi, la jeunesse. Samedi, intercession prophétique. Dimanche, le culte. Quand est-ce que vous allez vous retrouver en famille? Sans salarié, marchi. Dieu dit prier sans cesse, pasteur. Je prie sans cesse tout le temps. Quand je suis sous la douche, je dis à mon Dieu merci. Je veux à manger, merci. J'ai pas besoin de toi, pasteur, pour prier sans cesse. Sans sonnerie. Ça va chauffer. Je vous dis, ça va chauffer. Au nom de Jésus. Ça va chauffer. Dites-le. Ah ouais. Alléluia. Maman sans jour, la femme doit s'occuper de son mari. Et c'est Nelly Naye, Ali Mako, au cas de ma camombale Naye. La parole est claire, que le mari soit enseigné par leur mari. Les femmes, par leur mari. Et le Mibali. Si elle traverse encore là, n'allez pas l'adorer. Et ceux qui accaptent tout ça, on va voir qu'on fout la maïté. Parce que les prophétesses la dépassent parfois les hommes. Quand et après, il y a l'équipe de Bamboujou. Une sorcière de ce monsieur, il part. Le Manaï, vous pouvez aller au Manaï. Ça va chauffer. Ça va chaud. Ça chauffe déjà. Ça chauffera encore. Là maintenant, vous êtes vitaminé. Hein? Le prochain bishop qui va vous appeler encore. Ah, oui, on peut être des frères. Ah non, je suis pas le frère. Non, tu Jean dit, moi Jean votre frère. Tu n'es pas né prophète. Tu n'es pas né apôtre. Alléluia. Tiens, que voilà, Shora est ton frère. Voilà. Si on t'appelle ton frère, on dit non, tu es apôtre. Oh, mais dans le Jean, Jésus, tu l'appelles Jésus, non? Jésus, tu l'appelles Jésus. Est-ce qu'il s'énerve? Yes, parce qu'il y a alors, toi, on t'appelle frère Jacques. Non, Pierre, non, frère Jacques, non! Prophète, apôtre, n'est-ce pas, docteur? Je ne sais pas quoi. Sorcellerie! Docteur, on va pas te libérer, on va pas te libérer, on va pas te libérer, on va docteur, machin, tout ça là, pasteur, plus, je sais même pas pourquoi je dis tout ça, mais je crois que quelqu'un ici l'est délivré. Pasteur, mes frères, retenez vos femmes pour ne pas qu'elles soient les secrétaires des bishops. Et maintenant, on a une passe, il n'a pas de la secrétaire de ma combattante.
Il y a des femmes qui savent faire plus à manger pour leur bishop que pour leur mari. Et voici Mignawa. La femme prépare le poisson que le mari aime. Quand le mari veut toucher, elle dit non, le bishop vient ce soir. Mon frère, mange ce poisson-là. Le matin, elle s'empresse, elle va au marché. Le mari dit, mais chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le poisson, le machin, le bidon, elle se fait belle, maquillage, tout ça. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu vient à la maison. Moi, quand tu finis la cuisine seulement, je rentre dedans, je ferme la cuisine. Je mange tout. C'est moi le chef ici. Alléluia. On va aller sur la télé, déjà on a commencé là-bas. Amen. Ah, on a commencé le frère. Il faut qu'on crie encore ici dans le Congo, au Congo Brazzaville. Vous savez que ma maman est d'origine d'ici, hein, frère. Un jeune frère qui veut confesser quoi? En gloire à Dieu, viens confesser mon frère. On acclame le Seigneur. Comment confesser-t-il? Oh Jesus. Vas-y. Est-ce que vous confessez ou pas? Elle ou pas? Si vous voulez, vous avez le bon. Mais sinon, on parle seulement. Oh! Tout ce que je dis, là, tu as dit ça, on a parlé le matin. Et voilà. La gloire à Dieu, Dieu confirme. Le Seigneur pleure. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai vraiment. Comment je dis, hein, passé dans beaucoup des églises. De Colombie à Outan, à Mangoumba et Bélé. Je suis Jean-Pierre. On peut faire sortir quelque chose dans le corps de l'homme. Je vais dans une église, Saint-Michel. Dans l'église que je joue, on se met mon chaque dimanche. Le Seigneur avait déjà dit de cesser d'aller jouer. J'ai rechangé le numéro à cause de ça. Tu sais, si tu ne viens pas, ne va pas bien se passer. Et le Seigneur me dit. Ça sera trop sec.
je prie Dieu que puisse mon église s'éterniser. Et qu'est-ce que après ça, parce que après ça, vous pouvez. Mais dites-le de savoir. Mon livre, 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 mon. Il n'y a pas de dénomination, mais qu'est-ce qu'on va chrétien? Pas de fan, pasteur. Mais Kassibali, participe à Jésus. Mais Jésus a besoin de disciples. Parce que le niveau que nous avons dit, pour ça, il n'y a pas de disciples. Jésus a besoin de ses disciples. Pas de fanatiques, pas de adeptes, pas de dénomination. Donc, Neko, il est temps que tu prennes la décision. Zoé Katerina, yo. Zoé Katerina, Neko, n'a pas de biman, n'a pas de bisikawan. Bonsoir. Bonsoir, Fanny. Bonjour à tous. Oui, je voulais témoigner par la grâce du Seigneur. Oui. La lingona tatu la bonne kembo ya Zambé. Je vais témoigner pour la gloire du Seigneur. Bon, aujourd'hui, le lieu est commis deuxième jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Lundi, Nazalagi Awa. Lundi, j'étais ici. Mais l'homme n'a pas été. Et hier, je n'étais pas ici. Lundi, j'ai eu la tête de la main par rapport à comment je suis aussi. Lundi, j'allais être avec témoigner, mais encore, on était à la fin. J'ai eu la tête de la main par rapport à la parole de Dieu que j'écoute ici. Et j'ai eu la tête de la main par rapport. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour, oui. Je suis pas aussi. Je suis pas aussi. Je suis pas aussi. Moi j'ai été invité, c'est quelqu'un qui m'a invité. Et quoi, c'est là où il y a Pesaki invitation à moi, vous allez vous sembler là. Celle qui m'a donné l'invitation, c'est une seule compris ensemble. Donc il est assemblé. Et toi, assemblé, moi on est dans une même assemblée. Wana ben, nous allons être assemblé en Akodaki et le Poso. Ça c'était ma première assemblée. Après catholique, le premier assemblé. Donc après le catholique, ça c'est ma première assemblée. Après que cette soeur m'a invité, et quand j'ai lu ça, Nambaba Komi, vous avez reçu gratuit, de non si gratuit. Et n'a sema commis que on ne dit pas ma bopé sa pépa. Et donc au fond de moi j'ai eu vraiment une grande joie. Et ça m'a renforcé. Parce que je crois ça. Et pour les tenir dans un zimé l'amour. Parce que. Je le témoigne aussi. Et pour être dans la tête de la carrière. Alors, ma carrière. La grâce, si la grâce, on, si c'est la grâce, on ne peut pas payer. Et maintenant, ceux qui allaient m'golou, pour qu'on y ait qu'à côté. Mais si c'est la loi, on va payer. Ceux qui allaient m'en bêter, donc il y a des choses. Et à ma famille, va aller. Donc vraiment, je suis dans la joie au travers de cette parole. C'est le deuxième jour que j'ai trouvé le frère, comme j'ai trouvé beaucoup de frères qui, que la pensée que j'ai trouvé le frère comme ça. Mais j'ai seulement quelque chose que je partage cette parole aussi. En tant que chrétien, on ne peut pas payer, il y a quelqu'un à payer pour nous. Et comme le frère il a dit que le pasteur nous trompe en disant quoi. Si vous ne payez pas les dîmes, vous ne pouvez pas gagner le pied de ce monde. Mais je crois de tout mon cœur, c'est un vrai mensonge. La Bible dit, David, dans le psaume, je n'ai jamais vu injuste, abandonné. Alléluia. Injuste. Alléluia. Moi je dis ceci, si Dieu ne prouve pas dans nos besoins terrestres, nous sommes dans le péché. Mais ce n'est pas le dîme.
Parce que sans Jésus, nous sommes justifiés en tout ce qui concerne la loi. Amen. 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 Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus. Jésus est le maître. Oui, toujours le maître. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? Seigneur Jésus. Quand on chante, quand on peut, on va se lever avec les enfants. Le maître vit toujours. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, acclamons le nom de Jésus, acclamons, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur. Jésus est le maître, est le maître, vit toujours. Acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom du Seigneur. Jésus est le toujours, et toujours. Acclamons le nom du Seigneur. Béni soit le nom, et Jésus bénit. Béni soit le nom, le nom du Seigneur. Jésus est le maître, le maître, le maître. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble. Jésus-Christ est Seigneur, il est